Hey les gens, salut à tous, c'est Slipon. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Spider-Man partie 7. Donc j'espère que vous allez bien. Sur ce, moi ça va. Donc du coup je vous laisse la partie 7 du mode histoire. Donc là c'est le moment où il y a des bons et des bonnes des bons moments qui ont passé sur ce jeu là. C'est maintenant que tout va se passer. Donc du coup j'espère que vous allez bien. Sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. Donc prochaine là normalement jeudi normalement c'est prévu que j'ai la fibre normalement. Donc je commencerai vendredi, je commencerai à faire des lives normalement, hein, ce qui est prévu. Donc du coup je vous laisse sur ce jeu. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager la vidéo. Sur ce, je vous laisse. Bye tout le monde. Chers auditeurs, vous avez sûrement entendu parler de l'émeute à Empire State University. Mais ce n'est pas qu'une histoire d'alcoolisation excessive d'une bande de blogueurs en proie à leurs hormones. Les autorités tentent de museler les témoins, mais, d'après mes sources, les démons ont drogué les étudiants pour les transformer en redoutables pulposaires. Où va notre ville, mesdames et messieurs, si nous devons craindre nos propres enfants, nos voisins, nos maris et nos épouses? Soyez vigilants, sur vos gardes, et surveillez de près ce barista avec un chignon masculin qui vous prépare votre latte. Vous pourriez être la prochaine victime. Possible 207, un témoin signale un enlèvement. Dans le quartier de Little Tokyo, terminé. L'IA qui est intégrée à ma tenue peut m'indiquer la zone où se trouve la victime. Je sens quelque chose. Ça doit être une de ces voitures. Du calme, je suis là. Il pensait que je savais où le fisc cache son argent, mais je ne suis qu'un guichetier de banque. Les voilà. Ils vont me remettre là-dedans. Heureusement que j'étais là. Ça aurait pu mal tourner. Ces caméras sont pas données. Si Felicia est fauchée, pourquoi est-ce qu'elle les laisse traîner? J'adore te voir courir, Spidey. Un jour, je te laisserai peut-être me rattraper, mais pas aujourd'hui. In the sack. Don't.
trouvé. Black Cat est vraiment très joueuse. Surtout avec moi. Ok. Tout a l'air plus ou moins sous contrôle. Il serait peut-être temps d'envoyer Peter Parker au labo. Comment ça se passe à Union Square? Centrale, les démons prennent d'assaut le poste de contrôle Zulu. Une fusillade. C'est jamais une bonne nouvelle. Et on pourrait discuter au calme si je vous apporte des chouquettes? D'entre vous ont peut-être vu les lumières vaciller dans la prison de très haute sécurité du Raft la nuit dernière. Malheureusement, ce n'était pas lié au passage d'un détenu sur la chaise, non. Il semblerait que quelqu'un de là-bas ait eu l'idée judicieuse de faire payer son séjour à Electro, criminel multirécidiviste, à... Y'a quelqu'un? Parker. Tu arrives juste à temps pour trinquer. Trinquer? Attendez. Où sont mes bras? Oh, wow. Trop cool. Mais comment vous... Réseau neural intracrânien. La neurotransmission se fait en moins d'une nanoseconde. Plus rapide que les signaux dans le cerveau. Et ne parlons pas des prothèses externes. On a réussi, Peter. Personne ne pourra nous enlever ça. Incroyable. Oh. Tout ça grâce à toi et à ton travail sur le réseau neural. Mais on l'a même pas encore testé. Il reste des choses à éclaircir et... Tout marche à merveille. Tiens, regarde ça. Impressionnant. Hein? Mais il y a une petite erreur. Pic de voltage, on va voir si ça marche. Non, c'est pire que ce que je croyais. Pourvu que ça l'ait stabilisé. Ah, le pic fait... Allez... C'est pas bon. Docteur ? Docteur, j'ai trouvé un problème potentiel. Il y a toujours des problèmes quand on cherche bien.
Mais la chance sourit toujours aux plus audacieux. Il est temps d'annoncer la nouvelle au monde entier. Otto, le réseau neuronal n'isole pas vos neurones moteurs. Il pourrait affecter d'autres parties de votre cerveau. Vos inhibitions, votre humeur. Je pense qu'il faut faire d'autres tests. On a fait assez de tests! Pour la première fois de ma vie, je ne me sens pas minable. Je me sens moi-même. Otto, vous n'êtes pas minable. Mais les risques pour votre esprit sont importants. S'il vous plaît. D'accord. D'accord. Ne vous en faites pas. On y est presque. Je vais continuer. Éliminer les bugs. Allez. Pars. Vous êtes sûr que ça va? Oui. Merci, Peter. Merci. Pour tout. Nous sommes en direct de la gare de Grande Centrale où le maire Osborn s'apprête à faire une déclaration à la presse. Martin Lee est derrière les barreaux à présent. Quand je fais une promesse à cette ville, je la tiens. Les habitants de New York vont bientôt devoir faire un choix qui pourrait bien définitivement changer leur vie. Au moment de glisser votre vote dans l'urne, souvenez-vous de mes actes. La ville est aujourd'hui plus sûre qu'elle ne l'a jamais été. Menteur ! Tu n'imagines même pas ce qui t'attend. Je vais prendre des nouvelles. Salut Miles! Je voulais savoir comment ça allait par rapport à Martin Lee. Écoute, t'as plus envie de bosser là-bas? Moi et Tante May, on comprendra. J'ai failli me barrer quand j'ai appris la nouvelle. Et puis, je me suis rappelé ce que mon père disait. Un héros, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas. C'est vrai! Du moins, s'il mène le bon combat. C'est moi qui t'ai trouvé ce boulot. Ça me ferait de la peine que tu continues si ça te convient pas. Les gens ici, ils sont pas responsables de ce qu'a fait Martin Lee. Ils ont besoin d'aide, et moi je les aide. Je crois que mon père m'aurait dit de rester. Je crois qu'il serait fier. Il le serait sûrement. Et Miles, moi aussi je suis fier de toi. Si tu veux parler, n'hésite pas. Appelle. Merci Pete, je dois y aller. Tante May m'a filé une liste de fournitures à acheter. À plus. Peter. Ça va? Tout va bien? Je me débrouille. Honnêtement, ça me plaît pas trop de te voir gérer ce centre toute seule. Ces gens ont besoin d'aide. Si ça doit me coûter un peu de sommeil, eh bien tant pis. Et tu as eu des nouvelles de Monsieur Lee depuis... Non. Mais le Martin que je connais n'aurait jamais fait ça. Quoi qu'il lui soit arrivé, ce n'est pas l'image que je veux garder de lui. Bref. Comment ça va avec MJ? C'est compliqué. L'honnêteté, c'est ce qui nous a sorti des mauvais passes, Ben et moi. Vous avez eu des mauvais passes? Oh, bien sûr. Surtout quand on avait ton âge. Alors, es-tu honnête avec elle? C'est elle vraiment qui tu es? Hey, monte le son! Je vais écouter ça! Un porte-parole de la police a confirmé que le camion était celui qui transportait le dispositif utilisé dans l'attaque de la gare de Grande Centrale. Quand est-ce que ça va finir? Peter?
Capitaine Watanabe, laissez-moi un message. Yuri, où êtes-vous? Rappelez-moi dès que vous pouvez. Pourvu que... Souffle du diable, soin. Mes amis, le cerveau derrière l'attentat de l'hôtel de ville a enfin été livré à la justice. Surprise de taille, il s'agit du philanthrope Martin Lee. Dans quelques instants, on discutera du niveau de démence nécessaire pour mener une double vie à la Dr Jekyll et Mr Hyde. Mais tout d'abord, une mise en garde pour tous ceux qui fêtent son arrestation. Oui, c'est super qu'il soit en prison, mais réfléchissez à toutes ces choses qu'on ignorait. Combien de temps a-t-il été suspecté sans qu'on... Des problèmes plus graves. Hiker ? Il faut qu'on se dépêche. Grimpez ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'était une attaque coordonnée. Elle a dû être préparée de l'extérieur. Tous les blocs sont ouverts. D'ici quelques minutes, tous les détenus de Hiker vont défiler sur la 5ème avenue. Ok, et le raft ? Ça devrait aller. C'est un centre carcéral Supermax, plus encadré et avec un réseau à part. Tant mieux. Et le souffle du diable ? C'est Sable qui s'en occupe. Vous leur faites confiance ? Ai-je vraiment le choix ? Non. Fallait mettre ta ceinture. Ici le capitaine Watanabe. Où êtes-vous? Au panneau d'accès électrique.
sur le toit, près du bloc D. J'essaye de rétablir le courant. C'est vous dans l'hélico? Affirmatif. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Il y a eu une panne de courant et tout est parti en vrille. Tenez bon, on vient vous chercher le plus vite possible. Quelqu'un est piégé derrière cette porte. Ils arrivent! Où est la sécurité? Ils s'en prennent à ma voiture! Aidez le directeur! Moi je regarde si je peux rétablir le courant! Ouais, pas de problème. Attention! On peut pas faire pire que ça. On peut toujours faire pire. Je vous prie. Ok, tout a l'air à peu près en ordre par ici. M'avez pas dit que le rat ne craignait rien? Plus maintenant. Allons-y.
C'est peut-être pas si grave que ça en a l'air. J'adore votre optimisme. Mais d'après mon expérience, quand ça a l'air grave, c'est grave de chez grave. Attention ! Loris ! Je glisse ! Tenez bon ! Ça va ? Oui. Soyez les bienvenus à la fête ! Juste à temps pour le grand feu d'artifice ! Liberté conditionnelle, les gars ! Trop ? Pourquoi il fait sortir tout le monde ? Je vais aller au centre de contrôle pour évaluer la gravité de la situation. Ok. Je m'incruste à la fête. Les potos, donc là ce sera la fin de la partie 7. Donc si vous voulez voir la suite, demain, prochaine vidéo, que je la sortirai demain, la prochaine vidéo, partie 8. Donc restez branchés, n'oubliez pas de vous abonner, like et partager la vidéo. Sur ce, je vous laisse, c'était Slip On, allez bye tout le monde.